Eh bien, salut tout le monde, c'est Didi Walker. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tout simplement unboxing en fait. Voilà, j'ai reçu donc un colis de la part de la chaîne Les Trouvailles donc de Jimmy. Voilà, en fait, je vais passer une petite commande parce qu'en fait, il vendait donc quelques Blu-ray. Donc, du coup, voilà, je vais acheter trois Blu-ray. Et Sheik, voilà, qui m'a dit qu'il m'avait rajouté pas mal de petites choses. Et effectivement, ça se sent dans le colis. Donc voilà. Bah, par contre, je n'ai vraiment pas regardé ce qu'il y a dedans, hormis du moins les trois Blu-ray que je sais que je lui ai acheté. Voilà. Bah, après, je connais pas le reste du contenu du carton. Donc, je vais vraiment découvrir ça avec vous. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Donc bah, écoutez, c'est parti. On va ouvrir tout ça. Et on va voir ce que. On va voir ce que notre ami Jimmy a enlevé. Alors, allez, pour faire un peu plus, je vais prendre vraiment au fur et à mesure. Alors, je prends la première chose qui vient. Donc, on commence, voilà. Donc ça, c'est une des choses que je lui avais pris. Donc voilà, le Blu-ray Maléfique. Voilà, donc ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour madame et pour ma fille. Voilà, en plus je vois que du coup il m'a envoyé une version Blu-ray 3D plus le Blu-ray. Donc bah écoute, très content. Très très content. Bon, la boîte est un petit peu, est un petit peu fêlée, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc du coup, magnifique. On va continuer. Alors j'ai un autre Blu-ray. Ah, celui-là. Donc c'est Sang Froid avec donc l'acteur Liam Neeson. Donc c'est un acteur que j'affectionne particulièrement. J'adore vraiment tous ses films. Et franchement, voilà, il m'intéressait. Et du coup, bah là, bah, Jimmy me l'a vendu. Donc, très très content. Ah, franchement, nickel. Ensuite, eh ben, le troisième Blu-ray, c'est Bumblebee. Voilà. Donc, pareil, celui aussi m'intéressait. Et ben, du coup, très très content de pouvoir le rentrer dans la collection. Le petit Bumblebee. Donc voilà, donc en gros, c'était ces trois choses-là, ces trois articles-là que j'avais commandé, donc, excusez-moi, que j'avais commandé donc à la chaîne Les Trouvailles de Jimmy. Après, voilà, du coup, là, tout le reste qu'on va découvrir ensemble, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, une boîte. Alors, nous avons un. Comment dire, un DVD, donc Peur Bleue. Alors, Peur Bleue, il me semble que je le possède déjà en Blu-ray, mais écoute, j'aurai la version DVD. Donc, du coup, bah écoute, merci beaucoup, Jimmy. Parce que c'est un film aussi que pareil que je kiffe vraiment bien. Ensuite, nous avons. Ah, il m'a envoyé une carte. C'est la carte de quel jeu? Ah, Assassin's Creed. La carte de Assassin's Creed Odyssey. Alors, bon, je vais vous la déplier quand même pour que vous puissiez voir. Mais alors du coup, alors je la possède déjà, Jimmy, hein, parce que du coup j'avais appris aussi pareil la version collector, bah demain semi. Mais du coup voilà, Assassin's Creed Odyssey. Bah, écoute, on est très très content, Jimmy. À la limite, j'exposerai sûrement celle-ci et je garderai celle que j'ai dans ma boîte. Bon. Hop. Alors, ensuite, je découvre en même temps que vous. Du coup, ah, il m'a mis donc des petits, excusez-moi, des petits stickers Star Wars. Oh, franchement, nickel. Ça fait plaisir. Alors, ensuite, oh, bien! Eh ben, Jimmy m'a mis un petit Donkey Kong Country. Donc là, en fait, tout ce que je monte, hein. À part les trois Blu-ray que vous avez vu au début, tout le reste, en fait, c'est vraiment, bah, c'est des cadeaux en plus de Jimmy. Donc, franchement, excellent parce que je l'avais pas du tout, Jimmy. Donc, je te remercie vraiment beaucoup. Alors, du coup. Ah oui, c'est sûrement le CD que tu m'avais parlé et tout. Mais franchement, très très content parce que je ne le possède pas du tout dans la collection. Donc, merci beaucoup, Jimmy. Merci vraiment beaucoup. Ensuite. Oh, ah, bien, excellent.
Du coup, voilà, Jimmy m'a mis donc les trois films. Donc, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai agrandi le bébé. Et Chérie, je nous ai réduits. Donc voilà, j'en avais parlé en fait, parce que moi je le cherchais, je le trouvais pas du tout vers chez moi. Et voilà, donc du coup Jimmy, voilà, me l'a mis dans le colis. Donc franchement, très très content. Ah franchement, excellent, excellent parce que je le cherchais, je le cherchais, je le cherchais. Alors franchement, ça va. Je me permets, je regarde l'état des CD. Non, franchement, nickel. Bah écoute, Jimmy, franchement, merci beaucoup. Parce que j'avoue, celui-ci, pour le trouver vers chez moi, c'était un peu compliqué. Donc, franchement, très très content. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Oh, alors, Jimmy. Ah, c'est des cartes de comment dire, de mince. Je vous montre quand même à l'écran. C'est des affiches de. Oh, Uncharted The Lost Legacy. Et ben franchement, elles sont vraiment très jolies. Bah écoute, Jimmy, encore une fois, merci beaucoup. Alors, j'ai vu. Alors. Star Wars, donc il m'a mis un petit. Livre, excusez-moi, un petit livre de Star Wars, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Bah écoutez, voilà, je vais le découvrir avec vous, je vais l'ouvrir. Donc là, il y a de la publicité. Là, je découvre vraiment en même temps que vous. Oh. Alors, on a toujours de la publicité, un peu de. Moi, je vous montre un petit peu, hein. Après, je vais pas forcément trop m'attarder dessus. Non, mais franchement, très sympa, sachant qu'en plus, ici, que j'aime énormément l'univers Star Wars. Non, bah écoute, vraiment sympa, merci beaucoup. Ensuite, on va continuer avec. Un livre de jeux vidéo, donc l'heure de la révolution. Donc, ça, c'est pour le prochain. Mince, j'ai un trou de mémoire sur le nom du jeu. On incarne le hacker. Oh, purée, mince. Attendez, Watch Dog, en plus, il a écrit. Donc, voilà, un livre sur. Bon, du moins, ça parle entre autres, je vois, de Watch Dog Révolution. Il y a un peu de tout, cyberpunk. Le Zelda qui est sorti très récemment. Oh bah écoute, Jimmy a pensé à moi. Jimmy m'a donné de la lecture. Alors, il me semble que celui-ci, je crois que tu l'avais dans une de tes vidéos, Jimmy. Voilà, un petit livre de jeu vidéo. Donc, où en affiche, on a Cyberpunk. 2077. Jimmy a pris le soin de garder les posters. Mais franchement, très sympa. Très sympa, très sympa. Je vais avoir de quoi faire. Alors, je finis. Ah! Alors, on a. Et en plus, Jimmy, il a pris le soin de me laisser des bonbons. Donc, j'ai. Je crois que c'est ce qu'on appelle les Pez. Les trucs comme ça, je crois, c'est le truc de mon enfance. Ou ah, tu recharges en gros tes. Tu recherches en fait des bonbons dedans et bah, tu peux les manger. Donc bah écoutez, nickel. Voilà sur l'univers Star Wars, donc très très sympa. Alors, je regarde. Alors, du coup, là je finis, j'ai un lot de 5 DVD. Et du coup, après c'est fini. Alors. Bon après, il y a les. Ouais. Bon, il y a les primaires, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai le petit, un DVD avec le Bloodsport numéro 2 et le double, et le, comment dire, et le double impact. Donc, le Bloodsport, a priori, ce n'est plus,
Bah, ce n'est plus avec Vandamme, c'est bien dommage, mais le Bloodsport 1 est vraiment excellent. Et du coup, bah, le double impact, un classique avec Jean-Claude Vandamme. Oh, alors par contre, c'est moi ou c'est le CD, il est à l'envers. Alors là. Alors là, Jimmy, j'ai un doute. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout, je ne sais pas quel est l'avant ou l'arrière du CD. Bon, en tout cas. Un petit DVD, mais ouais, j'avoue, je sais pas si c'est l'avant ou l'arrière du coup. Ensuite, on a un petit, je crois que c'est un petit Disney, c'est La route de l'Eldorado. Donc, ça sera pour ma fille. Moi, je suis pas forcément plus dessin animé que ça, mais ça pourra sûrement plaire à ma fille. Donc, bah, du coup, merci beaucoup, Jimmy. Merci, merci. J'avoue, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Hop. Ensuite, on a un film avec deux, bah, un film, un DVD avec deux films dedans, donc le Norbit que je ne connais pas avec Eddie Murphy et le Boomerang. Alors je ne connais pas du tout les deux films, donc bah, ça sera l'occasion de, bah, de découvrir cela. J'avoue, je connais pas du tout. Hop, et du coup, ensuite. J'ai un Walt Disney. Alors, je connais pas du tout. Il s'appelle Ice Princess. Donc, pareil, bah, ce sera sûrement peut-être un film pour madame ou pour ma fille. Parce que je connais pas. Je connais pas du tout. Je connais vraiment pas du tout. Donc, bah, un petit Walt Disney, hein, ça fait toujours plaisir. Alors, celui-ci, je le connais pas du tout. Si le BGG. Le bon gros géant. Voilà. Alors pareil, je connais pas du tout. Donc bah, ce sera le moment de découvrir. Eh bien écoute, en tout cas, Jimmy, je te remercie beaucoup pour toutes ces petites choses que tu m'as envoyées. Donc voilà, encore une fois, je le répète, surtout, je vais vous montrer un petit peu vite fait, mais si je ne fais pas tout tomber. Parce que je risque de faire tout tomber. Donc voilà. Donc en gros, dans ma main gauche, tout ce que j'ai commandé à Jimmy, donc les trois Blu-ray, excusez-moi, avec, voilà, je vous montre quand même avec donc, Bumblebee, je me répète, Sang-Froid et Maléfique. Voilà. Et du coup, voilà tout le reste que Jimmy m'a envoyé dans le colis. Donc bah, écoute, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Donc voilà, bah écoutez, si cette petite vidéo unboxing, voilà, l'unboxing découverte du colis, si elle vous a plu, bah voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, à vous abonner à la chaîne si bien sûr le contenu vous intéresse. Et moi sur ce, du coup, bah, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ça sera dimanche pour un vide-grenier live. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, ciao ciao tout le monde, c'était Didino Walker.